Et salut les escrocs, c'est Orlando, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de ouf. Donc aujourd'hui, la nouvelle mise à jour Brawl Stars est sortie. Donc comme vous pouvez voir, il y a les nouveaux Star Power et surtout le nouveau héros, donc Tick à 0 trophée. On va tout de suite prendre des points pour Tick, hop, nickel. Et on va ouvrir des petites boîtes pour essayer de l'améliorer le plus vite possible. Donc on va commencer par les Big Box. Hop, donc 26 points Tick, j'ai 90 boîtes, c'est un peu long. Et on va essayer aussi de choper les nouveaux Star Power, sûrement entendu. Donc on a déjà pas mal de points Tick. On va ouvrir ça vite fait. Je vais vous accélérer ça et je vais m'arrêter à chaque fois que j'aurai un bon truc. A toutes les amis. Bon les gars, on est déjà à la moitié des boîtes ouvertes. Donc je vais checker à peu près mon Tick, comment il est. Donc on va l'upgrade plusieurs fois. On peut le passer niveau 7. Donc presque niveau 8, on va finir d'ouvrir des petites boîtes. Hop, c'est parti, on repart pour l'ouverture. Désolé, je vais m'étendre de ne pas déranger. Pour l'ouverture des petites boîtes, c'est parti. Les gars, de retour, donc on peut de nouveau améliorer notre petit tick. Je suis toujours pas au bon endroit, c'est ici, donc vous pouvez voir. Hop, on le passe niveau 8, il nous manque 550, donc ça va être dur de le passer niveau suivant. Je pourrais à la limite prendre ça pour essayer de le passer niveau suivant. Finish Crow qui est à 300, j'avais oublié. Donc là, il y a les deux qui sont à 50 000. Impossible. Je pourrais pas les avoir tout de suite hein, avant la fin de saison. Star Shop, boutique. Ok, c'est stylé le nouveau shop en tout cas. On va prendre les points de pouvoir qui sont juste là. Hop. Sur où est-il? Sur Tick. Hop. Boum. Il prend plus de 120. On va finir d'ouvrir notre petite boîte. C'est parti, c'est parti. Donc les gars, c'est dommage, avec toutes les boîtes que j'ai pas réussi à avoir Tick niveau pouvoir 9 et j'ai même pas eu Star Power. Donc on va s'ouvrir une petite méga box dans le shop tout de suite, hop c'est parti. Ok, donc on aura que du Tick et c'est nickel, on peut enfin le mettre niveau max. On va le prendre bah, niveau en dessous du Star Power, hop, on l'améliore tout de suite. Donc il nous manque son Star Power et il nous manque d'autres Star Power, c'est dommage. Donc celle de Shelly qui est au shop pour 169 gemmes. Donc je sais pas si on va le prendre, je pense pas, bon, en tout cas pas tout de suite. Et je vais tester mon petit tick à 0 trophée, donc on va partir en haste. Hop c'est parti tout de suite avec un tick niveau 9. Je me demande si je vais tomber avec des gens parce que le problème c'est que le matchmaking est pas très bien foutu quand t'as un nouveau perso et que t'es haut level. Donc je pense pas tomber avec des gens, je vais plutôt partir en showdown duo à la limite. Voilà, là on est tombé direct sur des gens. Ok, donc il y a pas mal de tics dans la game. Nous, on est pouvoir 9, on a un petit avantage. Je vais direct mettre des mini ici. Ok, nickel, on va tout casser. Festi, je l'ai pas vu. Oh là là, je sais pas comment jouer. Je sais pas du tout comment on joue ce perso. Ok, je me suis fait éclater. Je comprends pas trop la mécanique. Faut que je regarde un peu. Ok, il balance des petites mines, dès qu'elles sont en contact, elles explosent et puis après elles ont un petit temps. Donc j'espère que mon allié va pas faire n'importe quoi, ce serait con de faire dernier sur ma première game tick. Ok, donc là c'est double tick power 4. Oh, je l'ai éclaté alors qu'il a trop de caisses. Ok, très très dur à jouer, je trouve. Mais je pense qu'il y a une mécanique à prendre. Il faudrait que je le traîne de fou. Donc là, on a pris 0 trophée. On va partir non, en Brawl Ball, ça a l'air pas ouf. Si on va repartir en duo, je vais retenter. Donc je comprends pas spécialement comment il marche. Mais on va tester. Donc ça met des mines qui mettent un petit temps à exploser. Ça, c'est sympa à savoir. Parce que j'ai pas trop regardé comment fonctionnait le perso sur les Brawl Talk et tout. Putain, on a réussi à l'avoir, ça c'est cool. On en a eu un de plus, donc je vais tout ramasser. Putain, là j'ai réussi à peu près gérer. Ok, là il y a des petites mines. Ça fait trop de dégâts contre les trois touches. Mais c'est injouable quand il n'y a que des tics. What the fuck, on a encore fait 5ème.
On a encore fait 5ème, mais what the fuck? Ok, on se fait vraiment rouler dessus, ex-perso. Je vais partir dans un autre mode, hein. Ah, mais dans les autres modes, je vais trouver personne, donc je vais rester en showdown finalement. C'est parti, donc 10 sur 10, hop. On part direct en showdown. Ok, je vais prendre les caisses là-bas, parce qu'à chaque fois que je vois 1000, il me fait péter, super. Donc voilà, faut. En fait, je pense qu'il faut bien viser au milieu pour tout que ça touche. J'ai l'impression que ça part pas tout du même. Je sais pas comment dire, mais c'est bizarre. Ah, des Tommy, t'as aucune chance s'ils tirent tous dessus. Donc, ok, dès qu'il y a un ennemi, il faut vraiment le spammer si on veut le tuer. Ok, il y a une péniche, je sais pas comment elle s'est retrouvée dans la game. Ok, hop, hop, hop. Pas réussi à la voir. Les mines touchent instantanément, ça c'est assez relou. Ok, ça. Oh si, ça a touché, ça c'est cool. En fait, faut le prendre par surprise. Oh, petit bug de connexion, non! Reviens, Wi-Fi. Yes. Hop, hop, hop. Qui est parti du mauvais côté. Je bug, je bug. Mais non, on va encore faire top 5. Ça remarche. Ok, je leur dis qu'il faut pas me challenge, sinon je les éclate. Ce qui est cool, c'est qu'ils font pas beaucoup de dégâts, j'ai pas mal de vie. Ok, mais sa portée est vraiment abusée, hein. Et mon allié est vraiment nul. Putain, on se prend toutes les bombes, et en plus mon allié est trop nul, yes. J'ai été obligé de me cacher et faire hop, hop, hop. Oh, j'ai carry. Oh non! C'est pas le moment de bugger. Ok, là, il y a encore des petites caisses. On va faire ça. J'y comprends plus rien. Yes, j'ai eu sa tête. Et lui, mon alliance. Ok, win. Donc c'est cool, ça fait un petit test. Et en même temps, hop, pouvoir 9. C'est sympa, je vais voir un peu combien de pouvoirs ils étaient dans la game. Donc faudrait vite que je le passe pouvoir 10, ce serait cool. Ouais, pouvoir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Moi, je suis le seul à pouvoir 9. Et là, pareil, sauf que j'ai fini dernier. Voilà, là, la tristesse. Bon bah c'était cool ces petits tests, donc j'ai 7 trophées, je vais essayer de le rush rapidement. Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, si vous avez kiffé n'hésitez pas à lâcher un pouce ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'était VZNOS, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye les escrocs!